Je suis Fabienne Pluchard, je suis la directrice du musée Hébert et je suis heureuse de vous accueillir ici au musée Hébert, un des 11 musées du département de l'Isère, qui est situé à La Tronche et qui est la maison d'un artiste, Ernest Hébert, un peintre du 19e siècle, qui avait cette très belle maison de campagne entourée de son parc de 2,5 hectares et qui nous permet de voyager à la fois dans le temps, au 19e siècle, mais aussi en Italie, qu'il adorait et dont on retrouve ici beaucoup de références dans le parc et dans la maison. Nous avons le plaisir de présenter au musée Hébert une exposition qui s'appelle François-Auguste Biard, Le monde en scène, et qui est une exposition qui dévoile l'œuvre de François-Auguste Biard, un peintre aujourd'hui complètement oublié, qui est né en 1799 et mort en 1882, et qui a été très célèbre de son vivant. Et donc c'est une redécouverte et le plaisir de partager en fait l'histoire de cet artiste qui à la fois est un artiste qui a représenté la société du 19e siècle, un artiste malicieux, assez critique sur son temps et qui a aussi beaucoup voyagé, qui a été un peintre explorateur et qui est allé dans le Grand Nord, en Scandinavie, qui est allé donc en Laponie, qui est allé en Amazonie et en Orient. Et donc c'est aussi ces voyages que l'on veut faire découvrir aux visiteurs. Nous sommes ici dans la première partie de l'exposition qui est donc en deux parties. Une première partie sur les œuvres de Biard comme peintre, on va dire, de la société du 19e siècle, avec son regard facétieux, son goût pour l'humour aussi. Et puis nous verrons dans un second temps la partie sur les voyages qui ont emmené Biard dans des horizons bien lointains. Et j'ai choisi de vous présenter cette œuvre qui s'appelle « Mon atelier » et qui montre le peintre Auguste Biard dans son atelier. On le voit ici en train de se représenter. Donc il s'agit d'un autoportrait, on le voit dans le miroir. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit toute la vie autour de l'artiste dans son atelier. On le voit qu'il est en train de peindre un tableau d'histoire, ici une scène héroïque, et c'est la raison pour laquelle il porte un casque romain. Et donc on voit déjà de l'autodérision dans cette représentation où l'artiste est affublé de ce casque pour se servir finalement de modèle à lui-même. Et puis on a toute la vie de l'atelier autour avec toutes les personnes qui viennent observer. On savait que François-Auguste Biard avait un atelier Place Vendôme à Paris, qu'il était extrêmement célèbre, très aimé par le public et notamment au Salon. Donc le Salon, c'était une exposition annuelle à Paris qui était très importante et dans laquelle François-Auguste Biard a présenté plus de 170 tableaux entre 1824 et 1882. Et le public venait extrêmement nombreux voir les œuvres de Biard. Et on voit ici donc finalement tout le talent de Biard, portraitiste, peintre d'histoire et peintre de genre, peintre de ces scènes amusantes de la vie quotidienne, de ces simples personnes du 19e siècle, mais toujours avec cette pointe d'humour. Et on voit ici que la dame qui est là s'est assise sur une palette de peinture. Dans la partie consacrée, la partie de l'exposition consacrée au voyage du peintre qui voilà, dévoile ici une facette complètement différente de son art. Il ne s'intéresse plus au quotidien parisien et en fait à la vie, on va dire, à la vie quotidienne de ses contemporains. Il voyage. Il voyage en Orient et ensuite, il va voyager dans ce Grand Nord. Et on a ici un très beau tableau qui représente la baie de la Madeleine au Spitzberg. Et François-Auguste Biard a la chance de participer à une expédition scientifique. Et on voit d'ailleurs le bateau de l'expédition, en fait, le bateau qui s'appelle La Recherche. Et il va participer à cette expédition
en allant découvrir ce grand nord rêvé, ce grand nord romantique que peu de personnes ont l'occasion de découvrir au XIXe siècle. Et il va le faire en compagnie de sa compagne qui s'appelle Léonie Daunet, qui est une toute jeune fille de 19 ans. Et ce qui est intéressant dans cette représentation de la baie de la Madeleine, c'est qu'on voit à la fois ce paysage extraordinaire du grand nord, de cette île de l'océan glacial arctique, mais on voit aussi le peintre, un autoportrait du peintre qui se représente ici dans l'angle du tableau, mais aussi de sa compagne Léonie Daunet qui arrive conquérante au centre de la toile et qui émerge de cette toile vraiment d'une grande douceur avec ce paysage finalement très blanc entre mer et glacier et qui nous montre aussi l'influence romantique et ce goût pour ces paysages extraordinaires et lointains. Nous sommes ici dans un espace consacré à un voyage fait par le peintre à la toute fin de sa carrière, lorsque François-Auguste Biard décide de partir en 1858 au Brésil. C'est une grande aventure à l'époque et il a très envie de découvrir l'Amazonie, de découvrir ces terres finalement vierges, de rencontrer les peuples autochtones et il s'embarque donc pour l'Amazonie. Avant ça, il arrive au Brésil où la cour de Pedro II aimerait garder ce peintre illustre et faire en sorte qu'il puisse peindre des portraits des grands seigneurs de la cour. Mais il décide de s'enfoncer dans la forêt, de découvrir du pays. Et lui qui pensait partir 2-3 mois au Brésil, il va y rester 2 ans. Il va aller jusqu'à Manaus, il va aller en plein cœur de la forêt amazonienne où il va rencontrer le peuple Munduruku. Et donc ce tableau que nous voyons derrière moi est une des œuvres qu'il a réalisées après ce voyage, dont il est revenu avec énormément de dessins, de croquis, d'objets collectés, et qu'il va utiliser pour réaliser une œuvre comme celle-ci, qui s'appelle « La fabrication du curare dans la forêt vierge ». Et donc on est là sur quelque chose d'assez mystérieux, les Indiens avec leur parure, avec tous les détails dans la représentation des personnes qui évoquent celles qu'il a rencontrées en Amazonie. Donc ça fait partie de ces tableaux, plus de 50 œuvres présentées ici qui nous ont été prêtées par des particuliers, par des collectionneurs, mais aussi des musées qui nous ont fait confiance et qui nous permettent de voir la diversité de l'œuvre de Biard, qui au Brésil va aussi découvrir encore une fois l'esclavage, lui qui l'avait découvert déjà en Orient. Je vous rappelle qu'en France, l'esclavage aussi est aboli en 1848 et c'est un sujet qui va l'intéresser. Et au Brésil, il va aussi s'intéresser à ce sujet dont on parle également dans l'exposition. Nous sommes ici dans la boutique du musée Biard où vous attendent à la fois des cartes postales, des œuvres de François-Auguste Biard, un beau catalogue de son travail, mais également des romans et des récits. Et j'aimerais m'attarder sur celui de Léonie Daunet, donc la compagne, la femme de François-Auguste Biard, qui a écrit « Voyage d'une femme au Spitzberg » parce que suite à son voyage au Spitzberg, justement, elle a évoqué cette aventure extraordinaire. Pour cette jeune fille, je vous rappelle qu'elle a 19 ans, que c'est une des premières femmes occidentales à fouler ce grand nord. Et elle raconte ses aventures et les difficultés de ce voyage dans ce récit haletant, et que je vous invite donc à découvrir à la boutique. Je vous remercie d'avoir suivi cette visite guidée et vous êtes les bienvenus au musée Biard pour découvrir cette exposition.
Le musée Hébert est un musée du département de l'Isère qui fait partie du réseau des 11 musées départementaux. Les musées sont gratuits et le musée Hébert vous accueille tous les jours, sauf le mardi, de 10h à 18h. Et une riche programmation autour de l'exposition vous attend et accessible sur le site internet du département de l'Isère.